Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente cette nouvelle Audi A3. On l'a dans une version aujourd'hui 35 TDI avec la boîte S-Tronic 7 rapports. Donc c'est une voiture qui fait 150 chevaux avec 250 Nm de couple. On va faire comme d'habitude une présentation détaillée extérieure, intérieure, puis ensuite on va aller l'essayer sur route et à la fin je vous donnerai mon avis, savoir ce que j'en pense et on verra un petit peu toutes les fonctions qu'elle a lorsqu'on conduit. Allez, c'est parti, on commence par l'extérieur. Alors, à l'extérieur, cette voiture en longueur fera 4,34 m, 1,82 m de large et 1,45 m de haut. Au niveau du poids, comptez environ 1400 kg avec les pleins faits, donc en ordre de marche. Au niveau de la voiture, chez Audi, la A3, c'est une des voitures les plus vendues et les plus connues. Et on retrouve toujours les lignes qu'elle a depuis ses débuts. Donc une voiture assez compacte. Et avec l'arrière en sportback, c'est vraiment ce que je trouve le plus joli sur cette voiture, la version sportback. Personnellement, j'ai du mal avec la Audi un petit peu berline. C'est plutôt destiné à un autre marché, mais en France, je pense que la plupart des voitures qui vont se vendre, c'est celle-ci. N'hésitez pas à me dire, vous, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la version sportback, comme ça, donc avec cette arrière ici, donc qui se prolonge un petit peu, qui se donne une sorte de petite façon de break avec l'arrière coupé, ou vraiment la version berline. On l'a aujourd'hui dans une super belle version bleu atoll, en plus là, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, ça rend super bien, les reflets sont magnifiques. Franchement, je pense que c'est une des voitures dont j'ai fait le plus de photos parce que je la trouve sublime. Comme vous pouvez le voir, ce qui change, c'est surtout à l'avant avec ces nouveaux phares et cette belle signature lumineuse. Alors ce que j'adore, c'est lorsque on la ferme, donc bien sûr on a les clignotants défilants, mais aussi on a cette façon d'éclairer et ensuite le petit jeu de lumière qui se passe à cet endroit là du phare. Je trouve ça vraiment sublime. Bien sûr, on aura des phares full LED sur cette version, donc maintenant avec la calandre que Audi appelle single frame. Donc je trouve ça vraiment très joli et les calandres deviennent de plus en plus grosses, comme on l'aura noté chez BMW par exemple. Mais je trouve que chez Audi, en une seule partie, ça fait vraiment sympa et ça donne cette touche un petit peu de sportivité. Et le fait qu'elle descende plus bas, ça donne un petit peu ce côté qui est sorti un peu sur la R8 avec ses grosses calandres. Mais je trouve ça vraiment très sympa. Donc ici, on a le capteur pour les distances, le logo Audi. Les capteurs de parking ici sont bien intégrés et en dessous, donc une lame qui est de la même couleur que l'encadrement de la calandre ici. Je trouve ça vraiment du plus bel effet. Sur le côté, donc, on a des fausses prises d'air. Il n'y a rien qui rentre ici, c'est bouché. Donc avec pareil, la reprise de la couleur de la lame et du contour de calandre. Sur le capot, donc, on voit ces quatre lignes qui sont très marquées. Donc cette ligne qui se prolonge jusqu'ici et qui va venir finir donc, sur la vitre. Après, donc le capot ici, pareil, on a des lignes assez fortes, mais elles sont pas si marquées que ça, mais pourtant, on les voit bien. Sur le côté, on pourra noter les rétroviseurs, donc qui sont en gris, pareil, qui reprennent toujours le même gris. On a les contours de fenêtres chromées sur cette version. Alors, je trouve que le chromé avec ce bleu, ça ressort vraiment bien, et surtout aujourd'hui, en plein soleil. Sur les rétroviseurs, les petits répétiteurs de clignotants à cet endroit-là. Sous le capot, aujourd'hui, donc, on a la version 35 TDI. Cette version 35 TDI, c'est un moteur 2 litres qui fait 150 chevaux et 250 Nm de couple. Alors, maintenant, on voit vraiment quasiment plus rien. Il y aura 7 motorisations disponibles. Donc, il y aura les 30, 35 et 40, donc en TDI et TFSI, donc soit essence, soit diesel. Et donc, la version 40, elle sera hybride rechargeable. Il y aura aussi une version avec la version micro-hybride, donc une sorte de batterie 48 volts qui relance, qui aide un petit peu le start and stop et qui aide un petit peu au redémarrage et aux relances. Et sur les versions, on aura soit 110, 116, 150 ou 204 chevaux sur la version hybride. Les moteurs vont du moteur 1 litre au moteur 2 litres en passant par un 1,3 litre et un 1,5 litre. Sur le côté, comme on peut le voir, donc c'est bien la version sportback, donc avec cette ligne très élancée. Personnellement, je la trouve sublime. La A3, depuis qu'elle est sortie, je trouve qu'elle a toujours eu ce petit charme et ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Donc cette ligne ici qui vient se refermer
sur l'arrière avec le beau petit becquet qui donne un air encore plus dynamique. Cette partie ici qui est peinte en noir, donc c'est du noir brillant et ça donne un côté vraiment plus sympa et qui finit bien avec ses vitres un poil surteintées. À l'arrière de ce côté-là, on a la trappe. Sur le côté, aujourd'hui, on a des jantes 18 pouces. On peut avoir du 16 au 19 pouces en option. On aura sur le côté ce petit logo Audi ici. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Moi, j'en vois de plus en plus. Est-ce que vous aimez ou pas? Alors, sur l'arrière, pareil, donc nouveau phare avec cette nouvelle signature lumineuse. Donc ici, ce bandeau qui se finit avec une petite griffe et trois autres petites griffes sur le côté. On a bien sûr également les clignotements défilants. Alors, hop, je vous montre. Comme on peut le voir, donc la bande est ici. Et quand on ouvre ou qu'on ferme. Sur l'arrière, donc, ce côté à ramasser, je trouve qu'on garde toujours les mêmes lignes, en fait, depuis la première Audi A3. Mais à chaque fois, c'est restylé d'une belle façon. Et j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment jamais de défaut sur cette Audi A3. Le logo Audi ici, une petite caméra de recul positionnée à cet endroit-là. Les badges, donc pour vous rappeler que c'est une A3. Et là, vous avez votre motorisation sur la droite. Le pare-choc ici, entièrement peint. Des petits réflecteurs sur les côtés. Des sortes de petites extractions d'air, mais pareil, qui sont bouchées, comme quasiment toutes les voitures de nos jours. Et sur le bas, le pare-choc avec un petit rappel ici, donc qui vient continuer et qui remonte. Et donc cette partie ici en plastique. Et par contre, on n'a pas de sortie d'échappement ici qui est visible, c'est caché bien en dessous. Alors, dans le coffre, on aura 380 litres de disponible à cet endroit-là. Et lorsqu'on rabattra les banquettes qui sont en trois parties, on pourra avoir un plancher plat. Et à ce moment-là, ça vous donnera 1200 litres de chargement. Sous le plancher ici, de quoi mettre une roue de secours. Sinon, actuellement, on a le compresseur, le kit anti-crevaison et un petit cric. Donc, ça vous laissera ici un grand espace. Alors, j'ai pas le volume exact, mais en gros, de quoi mettre une roue de secours. Sur les côtés, vous avez de quoi ranger la trousse de secours, une petite prise 12 volts ici. On a en option les filets qui sont bien pratiques. Et voilà pour ce qui est de ce coffre. Si vous êtes tout petit, que vous n'arrivez pas, donc lorsqu'il est tout en haut, à attraper le coffre. Imaginons que vous faites 1m10. Eh bien, ça ne marche pas. Vous demandez une première fois à quelqu'un qui vous rabaisse le coffre à une certaine hauteur. Vous restez appuyé sur ce bouton. Vous avez entendu le bruit? Donc ça, ça confirme que ça a mémorisé la hauteur de coffre. Donc cette fois-ci, quand je vais fermer, le coffre se referme et il s'ouvrira seulement à cette hauteur-là et pas plus haut. Petit tips, mécanique sportive encore une fois. Alors, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, on rentre facilement dans le véhicule. J'ai énormément de place donc lorsque la porte s'ouvre, même au niveau des jambes. Donc, une fois installé, donc le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m80 et j'ai de l'espace au niveau des jambes, au niveau de la tête. C'est pareil, ma tête ne touche pas du tout, c'est un petit peu plus creusé à cet endroit-là. Donc on a ici un petit tunnel qui vient là-haut, qui intégrera donc deux lumières ici, donc avec des boutons sur lesquels on appuie pour les allumer chacun de son côté. Et franchement, je suis bien ainsi. Donc après, ces sièges sont vraiment super beaux avec les dessins ici brodés en diamant. Je trouve ça sublime. Sur le côté des portes, comme sur les nouvelles Audi, donc vraiment une poignée qui est bien designée, qui est super belle. On peut vraiment l'attraper comme il faut. Une poignée ici pour se maintenir avec la Sono Bang & Olufsen qui est en option ici. Donc on a deux grosses enceintes à cet endroit-là. Notre petite vitre ici. Avec impulsion, avec deux vitesses. À l'arrière du siège, on a des filets. Alors, les filets, comme je dis toujours, moi, je suis pas super fan des filets. J'aime bien que ce soit des vraies poches. Mais au final, ça fait le job. Une partie en plastique ici et tout le tour en cuir qui fera le tour de ce siège. Les appuis-têtes à l'avant ne sont pas relevables ou autres. Donc, on aura ce gros appui-tête qui cache un petit peu la vue de celui qui est derrière. Nos aérations, donc, ici, chacun de son côté peut régler l'air qu'il souhaite. On ne peut pas régler la température, donc c'est seulement du bizone pour l'avant. On a deux prises USB-C à cet endroit-là pour recharger vos ustensiles électroniques. Un accoudoir ici avec deux portes gobelets au centre.
Alors, la place du milieu. Par contre, on a un énorme tunnel central à cet endroit-là. Alors ça, c'est un petit peu gênant. Cette place ici. Alors, on n'est pas trop mal assis. Alors, je suis positionné bien plus haut que sur les sièges qu'il y a sur les côtés. Mais au final, non, ça va, c'est pas trop mal. La banquette est assez rigide. Alors, dans le dos, c'est pareil. C'est pas ultra confortable. Comme de base, c'est un accoudoir. Mais on est plutôt bien assis. J'ai un petit peu d'espace. Alors, si vous mettez 3 bébés de 1m90 à l'arrière et 110 kg, ce sera peut-être un petit peu compliqué. Mais pour 3 personnes normales ou 3 enfants ou 3 ados, sans souci. On a bien sûr les fixations ISOFIX à l'arrière. Et pour abattre les banquettes, super simple, je tiens un petit peu là-haut. Donc, j'ai cette banquette-là qui se rabat en debout. Sinon, j'aurais pu le faire en 3 parties. De cette façon, on a ici le troisième bout. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et à ce moment-là, plancher plat jusqu'au bout. À l'avant, quand je rentre, je tombe sur ce beau grand volant, donc qui est magnifique en version S-Line ici, avec du cuir perforé sur les côtés aux endroits où on met les mains, et un beau cuir super doux, donc en haut et en bas. Donc un volant 4 branches, avec les palettes juste derrière, et les infos ici qu'on peut régler donc pour l'écran du Virtual Cockpit. Donc ça, ça se passe sur la gauche, et à droite, on a une touche avec une touche que l'on peut personnaliser, de quoi répondre au téléphone et régler la musique et le son. Derrière, on a EcoMoto, appel de phare sur la gauche et clignotant. À droite, les essuie-glaces. Et juste en dessous, on a de quoi régler les aides à la conduite, donc le limitateur, régulateur et l'assistance de pilotage pour le maintien dans les lignes et le régulateur adaptatif. Sur la gauche, on a de quoi gérer les lumières. Le mieux, c'est de laisser en mode auto. La voiture se débrouille vraiment très très bien toute seule. Sur la gauche, la portière, donc de quoi ouvrir et fermer, donc verrouiller, déverrouiller les portes. La poignée, pareil, qui est comme à l'arrière. Une poignée pour se maintenir ici si vous souhaitez. Les fenêtres, de quoi régler les fenêtres, donc impulsion pour les 4. De quoi bloquer les portes ou débloquer les portes gauche et droite séparément, juste ici, et pas le faire sur la portière. De quoi régler les rétroviseurs, avec une petite indication pour le dégivrage des rétroviseurs. De quoi ouvrir le coffre ici. De quoi mettre petite bouteille 50 cl dans les vide-poches sur les côtés. Et ensuite, donc, le pédalier aluminium qui est du plus bel effet. Derrière, donc, le Virtual Cockpit, on peut avoir le GPS et les infos de base. Les aérateurs ici, derrière le volant, à gauche et à droite, donc, qui sont situés en hauteur. Donc ça, c'est vraiment pour vous. Vous avez vos deux aérateurs à cet endroit-là. Cet écran ici qui est magnifique, tactile, ultra, ultra réactif, c'est très rapide. Alors, j'aurais bien aimé qu'il y ait le retour haptique comme sur le e-tron qu'on vient d'essayer. Avec cette petite vibration, c'était vraiment top. Mais on a un petit son, donc à chaque fois qu'on clique, et ça, c'est vraiment très sympa et ça marche très bien. On a pareil, radio DAB, GPS, tout ce qui va bien pour une voiture de 2021. La zone pour la climatisation, donc avec les sièges chauffants sur cette version. Et ensuite, on peut régler en bizone. Gauche et droite, soit vous pouvez synchroniser le tout. Juste en dessous, le Drive Select, de quoi désactiver le SP, de quoi désactiver ou activer le Start and Stop, les Warnings, les capteurs de parking et de quoi se garer automatiquement. On fera une petite vidéo de comment ça fonctionne. En dessous, chargeur à induction, donc le téléphone est en biais, comme ça vous n'avez pas accès et vous regardez vraiment la route. L'USB pour connecter Apple CarPlay, Android Auto. En dessous, le bouton Start and Stop pour démarrer la voiture. Un petit pavé tactile, sensitif. Vous réglez le son en glissant comme ça. Changez de musique. Vous appuyez pour faire mute. En dessous, ce tout petit sélecteur de vitesse. Vous tirez vers vous pour vous mettre en drive. Vous retirez une fois si vous voulez vous mettre en mode sport. Donc, c'est pratique. Vous avez juste à cliquer pour repasser en mode un peu plus dynamique. Et le mode parking, juste en appuyant à cet endroit-là. Le petit frein de parking ici. Cup holders, comment on dit en français, j'ai vraiment oublié en français les gars. Bref, on peut mettre des petites tasses juste après. Donc l'accoudoir ici que l'on peut régler en avance et en recul. On peut régler aussi la hauteur à différents endroits. Donc on peut on peut le régler vraiment jusqu'à haut celui-ci. En dessous, on a de quoi mettre quelques petites choses, un petit vide-poche avec des rangements. Sur le côté gauche ici aussi, on a un petit rangement qui est assez profond, je peux rentrer ma main dedans, donc ça. Et voilà un petit peu pour ce qui est de l'avant et la boîte à gants à cet endroit-là.
qui n'est pas très profonde, mais on pourra mettre une bouteille, 1,5 litre, de cette façon. Sur les sièges, on a des beaux sièges en cuir siglé S-Line, donc avec ce beau surpiquage qui fait vraiment tout l'intérieur du siège, tout le centre. Donc on est très bien maintenu, il remonte super haut. Donc regardez, moi, ça fait quasiment mon épaisseur. Alors je ne suis pas très gros. Et vraiment très bien maintenu, c'est pareil, ça remonte ici, c'est quasiment des petits baquets, vraiment top, et je peux régler à l'avant, donc cette partie ici, ça aussi c'est top, parce que j'aime bien être maintenu vraiment jusqu'au bout des genoux, et ça fatigue moins les jambes lorsqu'on conduit. Réglage électrique, bien sûr, on peut avoir dans les lombaires, ça gonfle ou ça dégonfle, et ensuite, donc les positions qui se règlent électriquement. Donc de ce côté, et par contre celui-ci, il faut l'avancer ou le régler manuellement. Bon, bah, il ne reste plus qu'à aller faire un tour avec cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. C'est parti. Alors, on va commencer l'essai de cette nouvelle A3. Donc, j'ai les clés dans la poche. Très simple, maintenant, on n'a plus de clés. Petite pression sur le frein et je démarre le véhicule. Donc, j'ai tous les écrans qui s'allument. Ici, mon virtual cockpit qui me dit bonjour. Et l'écran ici, donc, avec les infos. Donc, j'ai mon grand volant réglable en profondeur et en hauteur. Mon siège, pareil, donc comme je disais, en hauteur, réglable, tous les réglages qui conviennent bien, les lombaires, et en hiver, je vais me mettre le siège chauffant, ça fait toujours plaisir. Pour sélectionner les modes, donc mode reculé, caméra de recul qui s'affiche juste ici, et hop, c'est parti, le frein de parking se déverrouille tout seul, et pour repasser la marche avant, hop, je tire vers moi et donc ça m'affiche ici drive ou sport. Donc on va se mettre en drive. On commence avec le mode efficiency, donc ce sera le mode qui va consommer le moins possible. C'est un petit peu le mode éco, mais sur du premium on ne dit pas éco puisque ça fait économie. Donc voilà, c'est parti. On a une boîte S-Tronic 7 rapports sur cette voiture et voilà, les rapports se passe vraiment en toute délicatesse. Première chose donc qu'on peut dire sur ces premiers tours de roue, et la voiture passe les rapports assez bas puisque on veut faire le maximum d'économie de carburant. Ce qui est annoncé par Audi sur cette version, c'est entre 4,5 litres et 5 litres au 100. Alors en ayant fait que du cycle urbain, j'ai fait une moyenne à 7 litres jusqu'à là. Donc là, la voiture a le plein fait, et ce qui me fait énormément plaisir, ce que je vois de moins en moins de nos jours, puisque les voitures ont des réservoirs de plus en plus petits, là, j'ai l'indication 910 km. Donc quand je l'ai pris tout à l'heure, ça m'affichait 940 km d'autonomie. Alors ça, c'est énorme. Si ça peut vraiment faire 940 km, ce serait l'idéal, puisque aller à la pompe, c'est pas forcément un plaisir tous les jours. À l'intérieur, hein, franchement, donc on est bien installé. On a un beau tableau de bord ici. Alors qui est dans une sorte de plastique moussé mais très agréable, pareil donc pour toute la console. Le bruit du clignotant que je trouve plutôt bien, j'aime bien le bruit du clignotant d'Audi. Donc quand on relance, on a le bruit du moteur qui est un petit peu présent. Alors c'est ça pour moi le problème du diesel, c'est le bruit du moteur, c'est vraiment pas très agréable un diesel. J'aurais préféré une version essence ou hybride, puisque comme vous le savez si vous regardez la chaîne assez souvent en ce moment, j'aime beaucoup les hybrides. Donc j'ai toutes les aides à la conduite derrière le volant, comme je vous disais, de quoi régler le régulateur adaptatif et autres. Et là par exemple, j'ai l'aide au maintien dans les lignes, je ne touche à rien, j'ai réglé à 50 km/h pour la ville et la voiture se débrouille toute seule. Bien sûr, en France, il faut garder les mains sur le volant, c'est la loi, on n'a pas le droit de se laisser conduire tout seul, c'est bien dommage. Vivement qu'on ait des voitures qui roulent toutes seules, puisque faire de la ville, c'est pas forcément un plaisir. Lorsqu'on va aller s'amuser un petit peu avec la voiture, pourquoi pas, mais pour ces moments-là, je trouve que c'est un petit peu dommage de devoir tout le temps accélérer, etc. Et l'avantage de toutes ces aides à conduite, régulateurs adaptatifs et autres, eh bien, c'est que ça facilite le quotidien, ça apaise et ça déstresse vraiment lorsqu'on est dans les bouchons, surtout donc moi qui suis en région parisienne, j'adore toutes ces aides à la conduite. De plus, ça vous permet de toujours rouler à la bonne vitesse, vous réglez selon le panneau, vous ne dépasserez pas, vous ne perdrez pas de points, et en plus vous êtes déjà beaucoup plus serein et surtout vous êtes beaucoup moins stressé que devoir accélérer, freiner tout le temps. Je conseille et je recommande
tout le temps cette option. À 50 km/h, donc là par exemple, on est en quatrième à 1500 tours. On a très peu les bruits de roulement. On a un poil le bruit du moteur, mais la voiture est plutôt bien insonorisée. On est très bien assis, ça filtre assez bien les anomalies sur la route. Par contre, on a une voiture allemande. Les Allemands aiment bien avoir quelque chose d'assez ferme. Donc, on aura toujours cette suspension assez ferme. Donc là, par exemple, un Dodan qui est très bien filtré pourtant. Mais on sent voilà, qu'on a une voiture assez ferme. Et donc, c'est pareil. Hein, lorsqu'on va jouer un petit peu avec, on a une voiture qui est très réactive. Pourtant, donc là, on a un mode Efficiency. On pourra sélectionner différents modes de conduite. Donc, on a le Drive Select juste ici. Donc, j'aurai Efficiency, Confort, Auto, Dynamique et Individual. Dans le Individual, concrètement, ça va être le mode où vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez. Et c'est à cet endroit-là, concrètement, que vous avez les trois modes différents. Donc, soit pour la propulsion, donc ça veut dire les accélérations et autres, soit économique, équilibré, donc c'est un mix entre les deux, ou sportive. La suspension, on a la suspension pilotée sur cette version, donc ce qui rend la voiture encore plus confortable qu'une voiture qui ne sera pas équipée. On a soit en confortable, équilibré ou sportive, c'est pareil. Et la direction, c'est pareil, on a confortable, équilibré ou sportive. La direction, on a un volant qui tombe vraiment bien sous la main et surtout avec ce cuir perforé à cet endroit-là, bah, ça a même un toucher agréable. Alors c'est pas aussi doux que juste là-haut, mais je préfère. Et par exemple, donc là j'ai mis en sportive et donc j'ai une direction qui est vraiment très sympa à manier, qui est assez lourde et qui n'est pas trop assistée. Ça c'est bien quand on va avoir une conduite dynamique. Donc ça, ce sera aussi paramétrable selon les modes que vous allez avoir. Par contre, si je la mets en confortable, eh bien là, la direction est devenue vraiment très douce du bout des doigts, des bouts du petit doigt. Je peux vraiment manœuvrer. Donc en mode individuel, par exemple, je vais me mettre tout en équilibré. Ce sera un petit peu comme le mode auto. Le mode auto, lui, s'adaptera à ce que vous allez faire selon quand vous conduisez. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment fonctionne le stationnement automatique. Je mets mon clignotant, j'active la fonction et je vais me mettre donc en marche arrière. Et là, je ne touche plus à rien, c'est la voiture qui se gare toute seule. Il faut juste que j'ai à freiner et à accélérer, mais sinon, moi, je ne touche à rien et la voiture gère automatiquement. Je passe la marche avant, donc là, c'est pareil. La voiture va se débrouiller toute seule. J'ai juste à freiner, passer la marche avant et la marche arrière et c'est elle qui se gare. Alors ça, c'est quand même vraiment bien pratique si vous n'êtes pas super fan des créneaux. Hop. Et voilà, je suis garé et ça, c'est vraiment super pratique pour la ville. Alors là, je vais me mettre en mode dynamique et on va voir ce que ça donne sur un gros rond-point et comment ça tient la route. Donc, hop, je vais remettre un petit peu de rythme. Donc, on sent qu'en dynamique, la voiture, bah, tout de suite, elle va vous emmener un petit peu plus haut dans les tours, et justement, bah, pour être plus dynamique. Et, alors, hop, on a une très bonne tenue de route. Quand on accélère, ouais, ça y va. Au niveau des freins, on a une pédale qui est très progressive. Ouais, ça tient super bien la route. Par contre, en virage, alors si on freine, l'arrière va se délester assez facilement, donc comme ça vient de le faire. Par contre, on garde un très bon train avant qui est ultra précis, donc avec une direction pareil, un très précise. La voiture, on l'emmène vraiment où on veut, et quand on réaccélère, voilà, donc c'est en traction. Et par contre, ça y va vraiment bien. Donc la voiture est assez ferme. Pareil, on prend pas de roulis, on n'a pas de sous-virage ou sur-virage très prononcé, sauf au moment du freinage, donc quand on déleste un petit peu l'arrière. Là, à ce moment-là, on va prendre un petit peu de sur-virage sur la voiture. Mais sinon, c'est vraiment une voiture qui est très bien équilibrée. Et même quand on accélère assez fort, ça relance très dynamiquement. Donc là, par exemple, hop, je vais y aller. Donc là, on y va quand même assez fort. Et la voiture vraiment sans problème. En plus, dans ces sièges, on est super bien maintenu. Ça aide encore plus
bien justement avoir cette conduite dynamique. Et c'est ça aussi, hein, le premium allemand, c'est des voitures souvent très dynamiques. Donc hop, et on rechange de côté. Et ça relance très bien. Franchement, aucun souci niveau comportement dynamique, c'est vraiment très très sain, super bien équilibré, ça reste confortable et dynamique. Là, en ville, dans les bouchons, la voiture s'adapte, elle freine et elle accélère toute seule, et ça permettra ça aussi d'être beaucoup plus détendu tous les jours. Ce qui est bien, c'est que même vraiment lorsqu'elle s'arrête, eh bien elle repartira, elle va souvent aussi couper le moteur, donc activer le start and stop et avoir le stop and go. Donc maintenant il y a vraiment plein de petits mots comme ça. Donc là par exemple, la voiture de devant s'arrête, la voiture va s'arrêter toute seule, je ne fais rien, je ne touche pas ni au volant ni aux pédales, j'ai le maintien dans les lignes et elle va suivre ce que la voiture de devant fait. Donc là par exemple, la voiture roule tout doucement, hop, elle la suit, regardez, je ne touche à rien, là on s'arrête complètement et ça repart. Et ce qui est bien, c'est que Audi a un délai un petit peu plus long pour pouvoir repartir plutôt que les autres. Donc souvent les autres voitures, une fois qu'elles sont arrêtées, c'est vraiment à vous de relancer. Alors que chez Audi, comme on a essayé sur le e-tron, on peut avoir plusieurs secondes et la voiture va relancer d'elle-même. Ça, c'est une très bonne chose, bravo Audi. Alors, on va aller sur autoroute. On va se faire une petite insertion et on va voir ce que ça donne. Donc pareil, on reste toujours en mode dynamique. Hop. Alors ce que j'aime bien, c'est vraiment dans les virages. Ça tient hyper bien la route et pour relancer, ça y va vraiment sans souci. C'est 150 chevaux sont largement suffisants sur cette voiture, parce qu'au final c'est une voiture qui n'est pas si lourde que ça et ça s'emmène vraiment très très bien. Donc comme je disais, même en dynamique, vous avez le mode soit la boîte sport, soit le mode simple en drive. Et donc par exemple, si je me remets en sport, la voiture va forcément tomber un rapport pour pouvoir se mettre sur la meilleure plage possible et pouvoir relancer souvent le plus rapidement possible. Donc là par exemple, hop, pied plancher. Et on s'en sert très vite jusqu'à 110 km/h. Je me remets toutes les assistances à la conduite, maintien entre les lignes, etc. La voiture, pareil, se débrouille super bien. Si vous avez beaucoup de route à faire, cette version diesel sera forcément l'idéal. Et avec les aides à la conduite, vos distances vous paraîtront vraiment beaucoup plus courtes. 110 km/h, on a une moyenne actuellement, donc affichée en instantané, un petit peu en dessous des 5 litres au 100. Ce qui est vraiment pas mal, en plus, surtout, on est un petit peu en montée. Donc franchement, vraiment très très bien joué, on est à 4,5 litres, 4,6 litres environ. 110 km/h, on a peu de bruit dans l'habitacle, un petit peu de bruit du vent au niveau des rétroviseurs, mais au final, ça reste vraiment plutôt contenu et on est très bien installé, ça roule super bien. À 130 km/h, pareil, on reste dans un habitacle assez bien insonorisé. On commence à avoir pas mal de bruit de vent au niveau des rétros, mais ça reste vraiment pareil, très très bien contenu puisque les rétros sont assez aérodynamiques et on pourra faire de la route sans souci, sans que ce soit vraiment trop fatigant ou trop pesant à l'intérieur. Le moteur, on l'entend vraiment quasiment pas. Les bruits de roulement, c'est très très contenu. On reste sur une voiture premium. On va se faire un petit test dynamique sur une petite route. Alors je me remets en dynamique, allez hop, c'est parti. Tac. Donc freinage, comme je disais, on a un bon freinage, on a une pédale qui est progressive et sortie de virage, on voit que ça peut patiner assez facilement puisqu'on a quand même beaucoup de couple, on a 240 Nm de couple et ça relance vraiment très très bien sur ce genre de petite route. Alors là on est sur une petite route où il n'y a personne, on va s'essayer un petit 0 à 100 et sur la chaîne vous aurez dispo les vues compteurs pour les 0 à 100 en mode efficiency et en mode sport. Allez c'est parti, pied plancher, ça patine un tout petit poil, 60, 70, 80, 90, 100, voilà. Ça monte quand même assez rapidement. Donc là virage, hop, on est en mode sport, très très bonne tenue de route. La voiture y va, donc ça monte un petit peu dans les tours, c'est un diesel, c'est pas forcément fait pour être sportif. Et on va voir le freinage, donc gros freinage. Oh la vache,
Par contre, quand vous appuyez sur la pédale et qu'on arrive à l'ABS, ça va freiner fort, fort, fort. Donc, il y a un effet un peu différent des autres pédales où ça sautille comme ça. Là, ça s'enfonce et par contre, ça freine super efficacement. Et pareil, donc, si on veut relancer, eh bien, ça y va sans souci. Rayon de braquage, on va voir. Donc, je suis là, je veux faire un demi-tour complet. On n'est pas trop mal pour le rayon de braquage. Hop, donc c'est reparti, on y retourne. Donc, au virage, on arrive, on ralentit un petit peu et vraiment la voiture, même dans le virage, je peux même remettre des petits coups de volant. Et bien la suspension reste quand même super ferme. Et la voiture prend très très peu de roulis et ça c'est vraiment top. Franchement, bravo, 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 bravo Audi. Très bonne voiture, très bien équilibrée, super comportement dynamique. J'aime beaucoup. Alors, que penser de cette nouvelle A3 ? Eh bien franchement, dans cette version, c'est vraiment une très très bonne voiture à tout faire. On pourra l'utiliser au quotidien comme pour faire de la route. Traverser la France, ce ne sera pas un souci. On a une voiture qui est plutôt économique. Donc là, sur tous les kilomètres que j'ai fait avec, j'ai une moyenne à 5,6 litres en ayant fait de la ville, de l'autoroute, de l'urbain, des routes à 70, 80, à 130 et pas mal de villes. Donc, c'est une consommation plutôt raisonnable. Alors, j'ai roulé normalement sans me restreindre avec quelques petites accélérations par-ci, par-là. On sera vraiment aux alentours de ces 5,5 litres. On va monter jusqu'à 6 litres selon comment vous conduisez. Donc, c'est plutôt une voiture économique. Niveau reproche à lui faire, franchement, c'est une voiture sur laquelle j'ai vraiment très, très peu de choses à dire sur le côté négatif. Juste peut-être voilà le bruit du moteur diesel qu'on entend un petit peu par exemple là, voilà, c'est juste, moi je suis vraiment pas fan du diesel, sinon le diesel a ses avantages, donc c'est vraiment des voitures qui vont un petit peu plus loin, qui consomment un petit peu moins et qui ont un petit peu plus de couple à bas régime que les voitures essence. Sinon à part ça, rien de spécial. Donc la pédale, juste, donc quand je me mets par exemple avec la version du pilote automatique, lorsque ça s'arrête, j'ai la pédale de frein qui bouge. Alors j'avais jamais vu ça auparavant, je sais pas si ça se fait sur d'autres voitures, mais ça c'est rigolo. C'est voilà, juste la seule chose voilà qui pourrait m'intriguer un petit peu, sinon c'est bien fini. En tout cas celle-ci, peut-être un petit ouvrant aurait été un petit plus, parce que j'aime bien quand c'est lumineux dans les habitacles. J'ai l'habitude de rouler en cabriolet en voiture perso, donc c'est un petit plus que j'aurais aimé. Sinon voilà, tout est bien intégré, tout tombe bien sous la main. Bonne auto, franchement voilà, je recommande. N'hésitez pas à aller l'essayer si c'est une voiture qui vous plaît. Je pense que vous n'en serez pas déçus. Voilà. En tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mécanique Sportive. Allez, ciao !